Youtube, moi, c'est Martin, on se retrouve aujourd'hui. Je ferai une vidéo du match Barça-Athletic Bilbao. C'est un score de 2-0 pour le Barça. Nous avons ça dans un match, c'est un match, pourtant, dans un match, c'est pas déjà fait. Et donc, voilà, comme je dis, un nouveau résumé pour ma série MFC TV. Un match vraiment assez important quand même pour le Barça parce que c'est quand même un match pour le championnat. Et puis, le Barça, en ce moment, il y a Tchico qui sont pas si loin que ça non plus. Il a quand même assuré. Puis, il faut pas oublier qu'il y a quand même le Classico. Donc, voilà, le Barça a bien fait. Ils ont su assurer la victoire 2-0. Un nouveau clean sheet pour Ter Stegen et pour l'équipe en général, parce que tout le monde défend quand même bien. Et donc voilà, on va commencer par la compo du Barça qui est en 4-4-2. Alors en fait, certains diront que c'est un 4-3-3 parce que sur la feuille de match c'est un 4-3-3. Mais en jeu, c'est un 4-4-2 en fait. Donc voilà. Et puis j'aurais d'autres choses à vous dire avant, après la compo. Mais voilà, on va commencer par la compo avec le goal Ter Stegen. En défense, Piqué, Umtiti, Sergio Roberto et Jordi Alba. Et puis donc le milieu à 4 avec dans l'axe Rakitic et Paulinho. Et sur le côté à droite, on avait Dembélé, à gauche Coutinho et puis en pointe Alcacer et Messi. Alors en fait, pour ceux qui se demandent pourquoi déjà Busquets n'est pas là, parce qu'actuellement il est blessé pour 3 semaines et normalement il va rater la double confrontation face à la Roma, ça reste comme ça. Donc voilà, à part s'il y a une très bonne chose qui se passe, donc voilà. Après je pense que c'est pas si important que ça, je pense que même sur Busquets d'avoir ça pourra se qualifier. Mais voilà, c'est une petite info quand même à savoir. Et pour lui, Suarez, pourquoi il n'a pas joué le match, c'est parce qu'il a été suspendu pour un trop nombre de cartons jaunes. Donc voilà, c'est pour ça que Denis n'était pas là. Et puis voilà, sinon à part ça, on avait quand même l'équipe type, juste Iniesta n'était pas là parce qu'il revenait quand même des blessures et voilà, l'entraîneur ne veut pas trop prendre de risques avec lui, il veut quand même qu'il revienne doucement. Et puis voilà. Alors, on va commencer à parler de la première mi-temps. La première mi-temps, la première demi-heure a été exceptionnelle du Barça. Je sais pas si vous avez vu le match, mais en tout cas, si vous avez pas vu le match, ça aurait été une demi-heure exceptionnelle. Après le reste, on va en parler un peu plus tard, mais c'était pas terrible. Donc vraiment, les 30 premières minutes du match ont été exceptionnelles, mais vraiment un truc de ouf. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Barça a mis les deux buts. Ils ont tiré 11 fois. Ils ont touché plusieurs fois la barre, touché le poteau, tout ça. Ils avaient 70% de possession de balle. Ils ne lâchaient pas la balle. Ils étaient exceptionnels. À chaque fois, ça jouait vers l'avant. Des espaces se trouvaient très facilement. Je ne sais pas comment ça se fait que le Barça n'a mis que deux buts. Hein. Franchement, ils en auraient mis 5 ou 6. Ça aurait été la même chose. Vraiment, ils ont cadré 9 fois leur chest. C'était très concret au niveau des frappes cadrées. Bon, en tout cas, ça ne marquait pas. Franchement, ils n'ont mis que deux buts. Et je pense qu'ils auraient pu mettre plus. Mais s'ils auraient pu, dans le match, mettre plus de buts. Désolé pour la notification, ouais, plus, enfin, Dembélé, je pense qu'il aurait pu marquer, Coutinho, enfin, tout le monde aurait pu marquer en réalité. Mais il n'y a que Alcacer au final et Lionel Messi qui ont réussi à marquer. Mais voilà, après les 30 minutes, ce qui s'est passé, c'est que l'Athletic Bilbao a commencé à changer un petit peu leur jeu. Ils ont joué un peu plus avec un pressing haut qui force une longue relance au Barça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé un petit peu à gêner le Barça. Ils ont réussi à pas avoir quelques balles. À ce moment-là, la tendance s'est un petit peu inversée. C'est pas dire, ça va pas dire que le Bilbao a commencé à dominer le Barça. Pas du tout, mais en tout cas, la possession de balle est passée de 70% à 50% pour le Barça. Enfin, 50%, je dis 50%, c'est dans les 50, hein, 54, 55, juste comme ça. Donc voilà, ils ont quand même commencé à avoir de plus en plus de balles. Ils n'arrivaient pas tellement à tirer. Ils ont eu très peu d'occasions dans le match. Hein. Thibaut, très peu dangereux. Mais voilà, comme ils défendaient quand même bien, je trouve. Et donc voilà, après une nouvelle deuxième mi-temps, on est parti sur la même base de fin de la première mi-temps. C'est-à-dire que le Chilbo va continuer à faire un long pressing. Et ils commençaient vraiment à déranger le Barça. Le Barça avait beaucoup de mal à jouer. Au final, le Barça, quand ils avaient la balle, ils faisaient quelques petites passes. Ils n'essayaient même pas d'aller vers l'avant. C'était vraiment très ennuyeux vers la deuxième mi-temps. Il y avait quelques occasions pour le Barça. Et très très peu aussi, je pense, pour Athletic Bilbao. Mais ouais, c'est pas passé grand chose quand même dans ce match là. Enfin, surtout en fait, le Barça, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de gagner en faisant jouer surtout continuer de mêler pour les faire, bien sûr, continuer à prendre de l'expérience dans l'équipe et continuer à s'améliorer. Après, voilà, moi j'ai un petit coup de gueule à pousser, enfin, mini coup de gueule. Hein, voilà, vous devez vous donner un commentaire, c'est que je suis pas tout content hein, sur un point avec Nasser Valverde. Premier point, je suis pas du tout content, c'est qu'il ne fasse pas jouer Dembélé durant les 90 minutes. En fait, ça, je suis vraiment pas du tout content à ce niveau-là. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Après, certains vont me dire que oui, c'est normal, il revient de blessure, tout ça, ok. Bon, ça fait plus d'un mois qu'il revient de blessure quand même. Hein. Là, au bout d'un moment, il faut arrêter. Je sais très bien qu'il s'est blessé deux fois. Enfin, il s'est blessé deux fois depuis qu'il arrive au Barça, il est un petit peu fragile, tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut quand même donner la confiance. Va falloir qu'il enchaîne les buts maintenant. Il a mis un but très très bien. Va falloir qu'il continue cette lancée là et surtout pour la Ligue des Champions. Parce qu'à un moment donné, où le Barça va arriver en demi-finale, voire en finale, il va falloir un grand Dembélé pour que le Barça gagne la coupe quand même. Donc je pense qu'il va commencer un petit peu à se grouiller au niveau de Dembélé. Il va falloir qu'il.
qui le laisse plus jouer, hein, laisse surtout terminer des matchs, et sinon ça va pas être très bien pour moi en tout cas. Et puis voilà. Alors sinon, à part ça, dans le match, il n'y a pas grand chose à vous dire, hein, très clairement. Ce qui s'est passé, c'est que le Barça a assuré, comme je l'ai dit, et Atchikbao n'a pas pris énormément de risques. Ils n'ont même pas essayé vraiment de tout tenter, de tenter le tout pour le tout. Ils ont voulu juste, voilà, juste tenter à la base de faire un petit exploit. Au final, ils ont vu dès la première demi-heure que ça n'a pas été possible. Ce qu'ils ont voulu, c'est de limiter à maximum la casse et donc casser le moins possible de but. Après, au niveau de Messi, ça a été un bon match. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué de juger parce que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils étaient du Barça. Ils se donnaient même pas à fond, pas vraiment à fond, je trouve. Il y avait Dembélé qui a fait quelques petits dribbles, tout ça. Et franchement, il y avait des passes. Cette fois-ci, il n'a pas beaucoup raté de passes, hein, par rapport à d'habitude. Ça, c'était une bonne chose. Messi, ça va comme d'habitude, quoi. Après, Coutinho, il n'a pas fait grand-chose, Coutinho. Franchement, il avait fait une très très bonne frappe sur la barre qui est sur transversale, ça n'a pas fait grand chose. Puis voilà, après Paulinho et Kritich qui ont fait un match correct, Umtiti a pris un carton jaune. Ça, pour moi, ça a été un des pires matchs d'Umtiti parce que voilà, c'est par rapport au niveau qu'il a d'habitude, il est vraiment très 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 très, très fort, et là c'est un petit match un peu moins fond que les autres. Après voilà, je m'inquiète pas tellement pour Umtiti, hein. C'était un match un peu particulier pour lui, sur le carton jaune qu'il a pris, ça l'a un petit peu énervé, il est un petit peu sorti de son match. Et puis voilà, donc sinon c'est tout ça de vidéo, je perds un message, peut-être pour un like, et sinon moi je dis peace.